Maître Frédéric Titenga Passeré, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina, pense que cette rencontre entre le président du Faso, Paul Henri Sandaogo Damiba, et les anciens chefs d'État est une bonne chose, et au sujet de la polémique judiciaire suscitée par la présence de Blaise Compaoré au Burkina, Maître Passeré estime que la justice n'est pas au-dessus de la nation burkinabé. Aboubacar Sagno. Homme de culture et homme de droit, Maître Passeré Titenga suit de près l'actualité politique nationale marquée par le retour de l'ancien président Blaise Compaoré et la rencontre de haut niveau entre le président du Faso et les anciens chefs d'État du Burkina. Du haut de ses 79 ans, le premier avocat du Burkina demande aux Burkinabés de taire les rancœurs pour résoudre le grave problème sécuritaire qui accable le peuple burkinabé et qui fragilise la paix. Pour ceux qui appellent à l'arrestation de Blaise Compaoré au nom de la justice, Maître Passeré les appelle au calme. Le problème judiciaire qui est posé, j'ai quelque chose à dire à mon pays. Il ne faudrait pas que nous nous trompions. La justice n'est pas au-dessus de tout. Ce qui est au-dessus de tout, c'est le pays. C'est la nation. Nous traversons une crise impossible, inadmissible. Nous sommes obligés d'user de tous les moyens pour que ce pays retrouve son identité intégrale, physique et tout. Mais pourquoi ne pas exploiter toutes les voies? Le président Blaise Compaoré, il est resté au pouvoir 27 ans. Pourquoi il ne pourrait pas donner son avis? Maître Passeré dit ne pas comprendre l'attitude des partisans de l'ancien président Roch Marc-Christian Kabore qui l'ont empêché de participer à la rencontre sur la réconciliation nationale initiée par le chef de l'État. C'est un drame. Et qu'on fasse quoi? Actuellement, nous sommes bloqués parce que le pays est occupé et parce que on n'a pas de solution et on ne sait pas quand est-ce que et comment les terroristes vont continuer d'avancer et d'encercler. Il faut, à mon sens, que nous soyons prudents. Devant cette statuette qui symbolise le pardon et la paix, le sage de l'appel de Manega lance un appel à l'union de tous les Burkinabés, car, comme le disent les traditions, le pardon vaut mieux que la violence.